righteousness. Of all righteousness. In you, Lord. In you, Lord. Subject of the necessity of power. Ce soir, j'aimerais parler très très rapidement du sujet de la nécessité de la puissance. La nécessité de la puissance. Dans Actes chapitre 10 au verset 38, il est écrit « Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Il allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tout ce qui était opprimé par le diable, car Dieu était avec lui. » Notre objectif ce soir est de comprendre pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu dans nos vies. Why do we need the power of God? Sometimes
Scriptures made it clear that the power of God is such a necessity in the lives of God's children. Pourquoi avons-nous besoin de la puissance de Dieu? Les Écritures indiquent clairement que la puissance de Dieu est une nécessité dans la vie des enfants de Dieu. La plupart des serviteurs de Dieu qui ont tiré le meilleur de leur vie sur terre et ont laissé leur empreinte pour le royaume de Dieu ont marché dans la puissance. From Moses, who brought Israel out of Egypt, to Elijah, de Moïse qui a fait sortir Israël d'Égypte à Élie qui a brisé le joug de Baal sur le territoire d'Israël, jusqu'à notre maître Jésus qui a accompli sa mission sur terre à Paul l'apôtre qui a œuvré pour imposer l'agenda de Dieu à son époque et aux apôtres, aux disciples qui ont bouleversé le monde. Ces personnes ont marché dans la puissance. La question est la suivante. Pourquoi la puissance est-elle nécessaire? Premièrement, power is needed for the fulfillment of divine purpose and destiny. La puissance est nécessaire pour l'accomplissement du dessein divin et de la destinée. If your purpose for life on earth must be fulfilled, especially the purpose of God for your life, power is needed. Si votre but dans la vie doit être accompli, en particulier le dessein de Dieu pour votre vie, la puissance est nécessaire. Dans Actes 10 au verset 38, la Bible dit « Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Il allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tout ce qui était opprimé par le diable, car Dieu était avec lui. » Jésus n'aurait pas pu accomplir son dessein sur terre sans la puissance. Dans Exode chapitre 3 du verset 1 au verset 10, nous voyons également la vie de Moïse. Moïse était perdu et errant dans le désert pendant presque 40 ans jusqu'à ce que la puissance de Dieu le rencontre. Et il a pu accomplir sa destinée à la fréquence de la puissance. La puissance de Dieu est nécessaire pour le fulfillment of destiny. La puissance de Dieu est nécessaire pour l'accomplissement de la destinée. Jacob est devenu Israël. Il est devenu celui qu'il devait être, différent de celui qu'il était autrefois. Et ce, par la libération de la puissance. Beaucoup d'entre nous ont une vie et une destinée bien plus grandes que ce qu'elles sont actuellement. Mais comme nous ne sommes pas connectés à une puissance adéquate pour forcer cette réalisation, cela ne se produit pas. Rolls-Royce cars are driven by Rolls-Royce engines. Les voitures Rolls-Royce, par exemple, sont équipées de moteurs Rolls-Royce. Mais si vous voulez quitter le sol pour aller plus haut, you need a Rolls-Royce engine that does not drive cars but flies jets. Il vous faut un moteur Rolls-Royce qui ne conduit pas des voitures mais fait voler des jets. Car ce sont les mêmes moteurs Rolls-Royce qui font voler les avions. But the one that flies airplane requires higher power than the ones that drive on the ground. Mais celui qui fait voler l'avion exige une puissance supérieure à celle des moteurs qui se déplacent sur le sol. C'est ainsi que fonctionne la vie. Plus votre destinée est grande, plus votre besoin en puissance est important. Si votre vie n'est pas destinée à réaliser beaucoup, vous n'avez pas besoin de tant de puissance. Mais plus votre destinée, en particulier votre destinée ordonnée par Dieu, est grande, plus votre besoin en puissance est important. Power is needed. If I must be everything God wants me to be.
La puissance est nécessaire. Si je dois être tout ce que Dieu veut que je sois, et si vous devez voir tout ce que Dieu veut que vous voyez, la puissance brute est nécessaire. Que quelqu'un dise un amen retentissant. Que quelqu'un crie plus fort, amen. Number two, power is needed for the activation and release. Deuxièmement, la puissance est nécessaire pour l'activation et la libération des potentiels de la vie. Le dessein, le but ou la destinée est générale, mais le potentiel représente les dons et les talents. Pour activer et déployer les potentiels de la vie, ce qui est en vous reste latent tant qu'il n'est pas alimenté. Un ventilateur peut brasser de l'air, mais sans électricité, il est inutile. Il est là, prêt à fonctionner, mais il ne fait rien tant qu'il n'est pas alimenté par l'électricité. This is a rare example. I don't know why they left this one from blowing. But as powerful as this fan is, aussi puissant que puisse être ce ventilateur, il est inutile sans puissance. The capacity of this power is unknown until it is. La capacité de cette puissance reste inconnue jusqu'à ce qu'elle soit mise en mouvement. There are many things inside you you know nothing about. Il y a beaucoup de choses en vous dont vous n'avez aucune idée. Certaines pensent que les talents comme la musique ou la danse étaient là depuis le début. Avant que je n'entre dans le ministère, je n'avais jamais chanté une seule chanson, ni joué d'aucun instrument. Lorsque quelqu'un dit que je suis un musicien expérimenté ou un chef musicien, il pense que j'étais un musicien avant de devenir pasteur. Mais ce n'était pas le cas. Oui, j'étais dans la chorale de Deeper Life en 1986, mais cela n'avait rien à voir avec une quelconque capacité musicale ou la maîtrise d'un instrument. J'étais simplement présent. Cependant, il y a des choses qui exploseront dans votre vie lorsque vous vous connectez à la puissance nécessaire. Si vous êtes satisfait de votre état actuel, ne cherchez pas la puissance. Mais si vous croyez qu'il y a plus dans votre vie que ce que vous exprimez actuellement, que ce que vous manifestez ou que ce que vous dévoilez, then go for power. The right way. Alors cherchez la puissance de la bonne manière. Hallelujah. Power is needed for the activation. Paul, la puissance est nécessaire pour l'activation. He had a prophetic potential. Prenons l'exemple de Saül dans l'Ancien Testament. Il avait un potentiel prophétique, mais ce potentiel restait inactif jusqu'à ce qu'il rencontre le prophète Saül dans 1 Samuel chapitre 10. Le prophète l'a oint et ce qu'il portait qui était latent s'est manifesté. Il a commencé à prophétiser au point que les gens se demandaient, Saul est-il aussi parmi les prophètes? La puissance est nécessaire pour l'activation et la libération des potentiels de la vie. Un de mes camarades de classe aujourd'hui pharmacien aux États-Unis a dit, en apprenant que j'étais devenu pasteur, « Ce n'est pas possible, je connais cet homme depuis le lycée. Rien ne laissait présager qu'il serait un pasteur. » On lui a tout expliqué, mais il a répondu, « Je ne le croirai que lorsque je le verrai. » Il m'a vu. Je lui ai prêché la parole, je l'ai conduit à Christ et il a dit, maintenant je crois, car rien à l'époque ne laissait supposer
que je deviendrai ce que je suis aujourd'hui. Je prophétise aujourd'hui, en ce mois de puissance, que tout ce qui est latent en vous, qui n'est pas encore manifesté, éclatera. Il éclate, il se révèle. Si vous le croyez, criez Amen. Si vous le croyez, criez le plus fort. Amen. One of my children, as they were growing up, said, l'un de mes enfants en grandissant disait, je vois que tous les autres ont un don ou un talent, mais moi je n'ai rien. Je lui ai répondu, tu as des dons et tu es pleinement chargé, très très chargé, et cela apparaîtra bientôt. L'enfant disait ceci, je ne suis pas sûr, je ne pense pas être capable de faire quoi que ce soit. À présent, cet enfant possède un recueil de chansons avec presque 10 chansons. Vous ne savez pas ce qui est en vous. Vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. Vous ne savez pas ce que vous portez tant que la puissance n'est pas activée pour libérer le potentiel. Voilà pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu. Troisièmement, la puissance est nécessaire pour supprimer les limitations et les obstacles dans la vie. Cela inclut les malédictions générationnelles, les malédictions ancestrales et les limitations dues à la sorcellerie. La puissance est nécessaire pour briser les limitations et les obstacles. Dans Ésaïe chapitre 10 au verset 27, la Bible dit « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug sera ôté de dessus ton cou et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Because of the anointing. The anointing is the twin of the power. The anointing is the twin of the power. It's used interchangeably. Le terme onction est la jumelle de la puissance. Le terme onction est utilisé de manière interchangeable avec la puissance de Dieu. Nous pouvons donc dire l'onction de Dieu ou la puissance de Dieu. Le joug, l'entrave, la limitation est brisé à cause de la puissance. Dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10, nous voyons un homme nommé Jabet, dont le nom signifiait « douleur » à l'origine. Mais il a activé la puissance de Dieu à travers la prière. Il a dit « Ma vie est limitée, j'ai besoin d'être élargi. Oh, si tu pouvais étendre mes limites !» La puissance de Dieu est venue sur lui. La limitation a été brisée et l'entrave a été démantelée par la puissance. Que quelqu'un dise « Amen !» Que quelqu'un dise un « Amen !» retentissant. Levez la main droite et dites « Je me connecte à la puissance, je reçois la puissance, je me connecte à la puissance, je reçois la puissance pour lever les limitations, pour briser les entraves. » Par exemple, si dans votre famille on dit que personne ne peut aller au-delà d'un certain niveau, il faut de la puissance pour franchir cette barrière. Il y a des personnes ici qui peuvent témoigner que ce que nous faisons à présent est étranger à l'endroit d'où nous venons. Ce genre de réussite, ce genre de lieu, c'est étrange pour nous. À cause de certaines situations, on aurait dû être arrêté sur la route, soit par des circonstances, soit même par des décès prématurés. But you cross barriers, you pass embargoes. Hey! Mais vous franchissez les barrières, vous dépassez les obstacles lorsque vous vous connectez à une puissance adéquate. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Là où on a dit que votre famille, votre communauté ou votre origine ne peuvent pas aller, par la puissance, vous franchirez ces limites. Si vous croyez cela, dites un grand Amen. Si vous croyez cela, criez plus fort Amen. La puissance n'est pas un divertissement, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, c'est une nécessité.
If you must cross barriers, you must want it. Si vous devez franchir les barrières, just vous devez désirer la puissance. Prenez place, s'il vous plaît. His grandfather was a native Je vais vous donner un exemple. Au début de notre ministère, un jeune homme venait d'une lignée de sorciers traditionnels. Arrière-grand-père, grand-père et père étaient tous des guérisseurs traditionnels. Il était attendu qu'un des enfants reprenne ce rôle. Mais aucun d'eux ne le voulait. Par conséquent, aucun d'eux ne réussissait à dépasser l'école secondaire. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Il voulait aller à l'université pour étudier la comptabilité. Mais lorsque la puissance rencontre la puissance, la plus faible cède et la plus forte prévaut. La puissance de sa maison paternelle a été brisée. Il est allé à l'université, a terminé en 4 ans et est sorti diplômé. C'était le premier de sa famille à dépasser ce niveau. Est-ce que vous m'entendez? Il a franchi là où les autres n'avaient pas pu franchir. Vous franchirez là où les autres n'ont pas pu franchir. Vous franchirez, vous dépasserez là où les autres se sont arrêtés. Si vous croyez cela, dites un amen retentissant. Daughters to school. Let them go to school. If they want, let them go to Cambridge. When they come back, let them marry. Make we see. Un homme a dit à ses frères, envoyez vos filles à l'école, laissez-les aller à Cambridge si elles veulent. Mais lorsqu'elles reviendront, qu'elles se marient et on verra. Résultat, une avocate non mariée, une comptable non mariée. Elle réussissait professionnellement, mais n'était pas mariée. Cependant, cette fille-là s'était connectée à cet hôtel de feu. Elle était à l'école de droit, je crois, à Abuja, et m'a raconté ce que son oncle avait dit. Je lui ai répondu, « D'accord, tu vas jeûner avec tes frères et sœurs, et nous allons briser cette chaîne. Cette fille est à présent mariée depuis presque 20 ans. Deux de ses sœurs se sont mariées le même jour, lors du mariage traditionnel dans l'Est. Leur père a dû recevoir deux familles de beaux-parents le même jour. » They were married the same day. That is attending to two sets of in-laws. The same day, two girls. Deux filles qui ne devaient pas se marier se sont mariées le même jour pour rendre ridicule et impuissante la parole de l'adversaire. Hallelujah! 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 Même en prêchant ici ce soir, je vois des entraves être brisées maintenant. Je vois des jougs être détruits maintenant. Je vois des limitations être levées maintenant. Si vous le croyez, criez le plus fort. Amen. Quelqu'un ici sera la première personne ointe dans sa famille. Quelqu'un ici sera le premier milliardaire de sa famille, de sa lignée, de la maison de son père. Amen. I was talking with a man yesterday, a multi-billionaire. J'ai discuté hier avec un homme. Un multimilliardaire. Il m'a raconté que son père était pauvre, que toute sa famille vivait dans la pauvreté. Il est sorti d'un sol aride, sans aucune chance de réussir. Mais il a commencé son parcours en se consacrant à Dieu et en poursuivant Dieu avec diligence. Je lui ai demandé de conseiller quelqu'un sur les principes financiers. Il était en consultation avec moi et cet autre homme également. Il a dit ceci, « Là où je suis aujourd'hui, personne dans ma famille n'a jamais été. » Il a rajouté ceci. « Ne raisonne pas avec Dieu. Contente-toi de donner. » Et c'est comme sa vie a été.
You see, as at now, he doesn't know the number that he started tithing from 40,000. Il a raconté qu'il avait commencé à donner la dîme lorsque ses revenus étaient de 40 000 naira. Puis cela a progressé à 1 million, ensuite 5 millions, puis 50 millions et même 100 millions. Il a affirmé qu'il ne savait même pas combien de fois il avait donné une dîme d'un milliard de naira cette année. Oui, la dîme, pas le salaire total, mais juste la dîme. The tithe. Somebody said heat is disturbing him. Quelqu'un a dit que la chaleur l'empêchait de dormir. Pastor said. He gave it and still went and slept. Mais lui, après avoir donné cette dîme, est allé dormir tranquillement. He was talking to another person. Even though he didn't worship in this commission, cet homme ne fréquente même pas notre église. Mais la première fois que je l'ai rencontré, je lui ai dit, très bien. Ton entreprise sera présente partout, nationalement et internationalement. Aujourd'hui, il a des entreprises dans plus de 34 États de ce pays, sur les 36 existants. That is crossed by far. By far. Il a dépassé de loin toutes les attentes. Là où on disait que personne de sa communauté ne pouvait réussir. Pourtant, il est resté fidèle. Il sert comme ouvrier dans notre église. Là où il se trouve, dans cette même position. La puissance de Dieu vous fera franchir des barrières. La puissance de Dieu vous fera franchir des barrières. Aujourd'hui, j'annonce que vous franchissez des barrières au nom de Jésus. Si vous croyez cela, dites un grand Amen. Si vous le croyez, criez un Amen de croyant. Dites un Amen du fond de votre cœur. Take your seat. As we rush towards the finish line, power is needed. You know, some of these things is necessary for you to hear them. Vous avez besoin d'entendre certains de ces témoignages pour que votre esprit puisse s'élargir. La puissance est nécessaire. Quatrièmement, la puissance est nécessaire pour imposer le changement. Le changement ne se produit pas par hasard. Le changement se produit par force. Power is needed to enforce change. Change happens by force. Change must be powered. Il faut de la puissance pour imposer le changement. Le changement doit être alimenté. Genesis 32 and in verse 28, and he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. Dans Genèse 32, au verset 28, il est écrit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu, tu es sorti vainqueur. » La puissance avec Dieu, la puissance avec les hommes, et il a vaincu. La puissance est nécessaire pour imposer le changement. We just talked about 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. When the life of Jabez needed change. Nous venons juste de parler de 1 Chronique 4, verset 9 à 10, où la vie de Jabez avait besoin de changement. Le changement est survenu à la fréquence de la puissance. Que quelqu'un dise Amen. Un jeune homme de notre église a témoigné. L'endroit où il servait était infesté de jeunes membres de gangs qui terrorisaient la ville en plein jour. Dealt with
old men, dealt with young girls, dealt with everybody. Intimider les anciens, harceler les jeunes filles, c'était le chaos. Il a dit ceci, pourquoi suis-je dans cette ville et ce genre de choses continue d'arriver? Il a pris une bouteille d'huile, il a témoigné cela à l'un de nos pasteurs. Et il a oint la ville et a demandé le changement. Soudain, toute la communauté a repris courage, disant, non, nous ne pouvons pas rester ici et laisser ces choses continuer. C'est ainsi que la situation a changé. Ils ont surmonté, vaincu les membres des gangs et les ont affrontés à main nue et ont rétabli l'ordre dans la communauté. Non seulement il n'est plus permis d'être membre d'un gang, mais si quelqu'un est surpris en train de fumer une cigarette, il reçoit une sévère correction en public. Of the king. And that ended because power was released. Cette situation a pris fin parce que la puissance a été libérée. Que quelqu'un dise Amen. J'ai entendu Bill Winston prêcher dans notre église. Je crois que c'était dans une partie de Chicago où il y avait une forte activité des gangs. Une femme est venue, il a prié sur une bouteille d'huile et a oint la femme. Ensuite, il lui a demandé d'aller oindre la rue d'un bout à l'autre pour provoquer un changement dans cette infestation satanique du quartier. Le changement a été pratiquement instantané grâce à l'action de la puissance de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui doit changer dans l'environnement de votre bureau? Y a-t-il quelque chose qui doit changer dans le quartier où vous habitez? Y a-t-il quelque chose qui doit changer autour de vous? La puissance de Dieu fera que ce changement arrive. Et cette puissance arrive pour quelqu'un aujourd'hui. Si c'est vous, dites un grand Amen. Si c'est vous, dites Amen. Encore plus fort. Cinquièmement, la puissance est nécessaire pour surmonter les résistances et progresser. Pour surmonter la résistance, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, et il allait surmontant la résistance et en progressant, en allant de l'avant. Dieu l'a oint. Et il est allé faire du bien. Sa vie était probablement bloquée. Il ne faisait aucun mouvement jusqu'à ce que la puissance vienne. Dans 1 Samuel 10, au verset 1, Samuel a pris une fiole d'huile et l'a versée sur la tête de Saül, l'a embrassée et a dit, « N'est-ce pas que le Seigneur t'a oint pour être chef sur son héritage? Quand tu me quitteras aujourd'hui, tu rencontreras deux hommes près de la sépulture de Rachel et à la frontière de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu es parti chercher sont retrouvées et ton père a cessé de s'inquiéter des ânesses. Il est à présent préoccupé pour toi, disant, que dois-je faire pour mon fils? Puis tu avanceras encore. Ainsi, il a été oint au verset 1 du chapitre 10. Et il est allé de l'avant au verset 3. Il a progressé. L'onction est le carburant du mouvement. Montrez-moi un homme qui porte l'onction et je vous montrerai un homme qui va de l'avant. L'onction est le sponsor de l'accélération. Il a avancé. La vie n'est pas censée être stagnante. Elle est censée être progressive. Le chemin des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au milieu du jour. J'annonce aujourd'hui par la grâce prophétique que quelqu'un ici va avancer. Sixièmement, la puissance est nécessaire pour mettre fin aux oppressions et aux afflictions dans la vie des autres. La puissance est nécessaire pour mettre fin aux oppressions, aux afflictions. Acte 10, verset 38. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, et il allait faisant du bien et guérissant tout ce qui était opprimé par le diable, car Dieu était avec lui. For God was with him. Aïe, aïe, aïe.
afflictions and oppressions. Where power is lacking, people suffer around you and you are helpless. Là où la puissance manque, les gens souffrent autour de vous et vous êtes impuissant à les aider. Cela s'applique également à votre vie. La puissance de Dieu est nécessaire pour mettre fin aux oppressions et aux afflictions. À l'école de médecine, je suis allée dans la chambre d'un de mes camarades en cinquième année de médecine. Il se tenait la poitrine. Il était tordu de douleur sur son lit. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il a répondu qu'il avait un ulcère. Ce garçon avait pris tous les médicaments anti-ulcéreux disponibles à l'époque, les médicaments les plus puissants de l'époque, sans aucun soulagement. S'il devait être libéré de cet ulcère, il aurait probablement eu besoin d'une opération. À ce moment-là, il se tordait de douleur. Et je me suis rappelé ce message des Écritures qui dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie pour lui en l'oignant d'huile, et la prière de foi sauvera le malade. J'ai pris une bouteille d'huile, je l'ai oint et j'ai dit, « Toi, esprit d'ulcère, sors ! Sois guéri !» C'était il y a plus de 30 ans. En moins de 5 minutes, il a sauté de son lit et s'est écrié, « Je suis guéri, je suis guéri !» Il s'est examiné lui-même et a déclaré, « Je suis guéri, je suis guéri !» Je n'étais pas pasteur à l'époque, je n'avais pas l'intention de devenir pasteur. J'étais simplement quelqu'un qui avait une passion pour Dieu et qui comprenait le pouvoir de la prière. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Ésaïe 10, verset 27, il est écrit, « En ce jour, le fardeau sera ôté de ton épaule et le joug de ton cou, et le joug sera brisé à cause de l'onction. » Alléluia. Un ambassadeur m'a rendu visite aujourd'hui à mon bureau. C'est un ambassadeur d'un pays qui ne parle pas anglais. Mais il est venu avec son interprète et il m'a dit, « Bien que je ne parle pas anglais, je vous regarde à la télévision. Je ressens le feu et la puissance. » Il est venu à l'église ici environ 4 fois et s'est assis parmi la foule. Il a dit ceci, « Je voulais venir officiellement vous rencontrer pour que vous sachiez qui je suis et pour vous dire combien ce que vous faites touche de nombreuses personnes à travers le monde. Pouvez-vous s'il vous plaît traduire vos messages dans notre langue ainsi que vos livres ?» Nous avons continué à parler et il a rajouté, « Maintenant, j'ai besoin que vous priez pour moi. » J'ai répondu, « D'accord, allons à l'hôtel et je prierai pour vous. » Nous étions en train de nous diriger vers l'hôtel et comme il y avait beaucoup de monde, nous avons pris l'escalier au lieu de l'ascenseur. Au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il était loin derrière moi. Quelqu'un m'a fait un signe. L'ambassadeur est resté en arrière. Je me suis retournée et il avançait lentement, aidé par quelqu'un. Je n'avais pas réalisé qu'il marchait ainsi. En descendant l'escalier soudainement, il s'est agrippé à sa jambe et on a dû lui trouver une chaise pour qu'il s'asseye. J'ai demandé ce qui se passait. Il était plié de douleur. Sur le champ, j'ai invoqué le feu du Saint-Esprit, j'ai placé mes mains sur son dos, sa poitrine, sa taille et sa jambe, et j'ai libéré la puissance divine. Ensuite, je lui ai dit, « Levez-vous, c'est fini, marchons. » Il s'est levé en marchant, comme un homme en pleine santé, très calmement. Nous sommes arrivés à l'hôtel et tous ceux qui étaient avec lui se sont mis à applaudir, comme s'ils étaient dans un service religieux. Je lui ai demandé de marcher d'un côté à l'autre. Il a marché, puis il est revenu. Les applaudissements continuaient. Après la prière, sur le chemin du retour, il m'a dit, « Je suis venu vous voir pour autre chose, mais Dieu a permis que ce problème se manifeste ici pour que je sois guéri. » You know, the challenges of life does not serve notice, especially
The challenges of people around you, they may not serve you notice. Vous voyez, les défis de la vie ne préviennent pas. Ils arrivent soudainement, même pour les gens autour de vous. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les forces spirituelles. La puissance est nécessaire pour faire face à toutes les urgences. Hallelujah. I'm thinking that that was what Paul the apostle meant when he said in Philippians chapter 4 verse 13. Je pense que c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Si vous lisez cela dans la version amplifiée, il est dit, je peux faire toutes les choses qu'il m'a appelé à faire par Christ qui me fortifie et me donne la puissance pour accomplir son but. Je suis autosuffisant dans la suffisance du Christ. Et la partie B dit ceci. Je suis prêt à tout et capable de tout par celui qui me remplit de force intérieure et de paix confiante. Je suis prêt pour tout, capable de répondre à toute urgence. Je n'ai pas besoin d'aller me préparer pour ensuite revenir. Je suis déjà prêt. Comme disait Smith Wigglesworth, ne vous préparez pas, soyez toujours prêt. Si vous essayez de vous préparer, lorsque l'urgence arrivera, vous serez déjà en retard. Il est préférable d'être prêt tout le temps. C'est comme le slogan des scouts ou des brigades. Soyez prêt, je suis prêt, je suis capable de faire face à toutes les urgences. Cet homme a rencontré la puissance divine brute. Et est reparti en marchant normalement. La puissance est nécessaire pour libérer votre génération. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Dans l'histoire que j'ai racontée sur l'école de médecine, je n'étais même pas pasteur. Ce n'est pas écrit « Ces signes suivront ceux qui sont pasteurs » ou « Ces signes suivront ceux qui sont apôtres ». La Bible dit « Ces signes suivront ceux qui croient ». Les croyants sont les porteurs de signes et de miracles. Power is needed. Number seven. Power is needed. It's getting deeper. Power is needed to keep the enemy under control. La puissance est nécessaire. To keep the enemy under control. Septièmement, la puissance est nécessaire pour maintenir l'ennemi sous contrôle. La puissance est nécessaire pour maîtriser l'ennemi, pour le tenir en échec. Dans Luc 10, 19, il est écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Et rien ne pourra vous nuire. La puissance est nécessaire, essentielle pour garder l'ennemi sous contrôle. Dans Psaume 66 au verset 3, il est écrit, « Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. Par la grandeur de ta puissance, tes ennemis te flattent. » Je vais vous raconter deux témoignages. Lors du service de guérison et de délivrance, hier, un homme a témoigné. Il priait pour la guérison de sa femme qui souffrait de stérilité secondaire. Par une visitation divine, elle est tombée enceinte. L'accouchement s'est compliqué car le bébé est sorti par les pieds avec le cordon ombilical autour du cou et il est né sans respiration. L'homme a alors commencé à chanter. You are always there to help. Tu es toujours là pour m'aider. Ils ont joué cette chanson pendant 30 minutes et soudain le bébé a repris vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, l'homme a vu un serpent près du lit du bébé. Il a regardé et a dit, « Qu'est-ce que je vois là? N'est-ce pas un serpent ?» Il a demandé à sa femme, « N'est-ce pas un serpent ?» Il a pris le serpent et l'a frappé et le bébé a commencé à pleurer. Il était quiet.
He hit the snake again. Baby began to cry. Chaque fois qu'il frappait le serpent, le bébé pleurait. Cela s'est produit 4 fois. Ensuite, une voix lui a dit, « La vie de ce bébé est liée à ce serpent. Si tu tues le serpent, tu tues l'enfant. » Cela ressemble à un film nigérian, un film africain, n'est-ce pas? Que faire, Seigneur? Dieu lui a dit, prends l'huile d'onction et sépare le serpent de l'enfant. Apparemment, dans la famille de la femme, il y avait un culte lié au serpent. L'homme a donc pris l'huile, a oint le serpent et a dit, je te sépare de cet enfant, tu n'as rien à voir avec lui. La vie de cet enfant ne t'appartient pas. En Jésus-Christ, vous êtes séparés. Il a entendu, c'est rompu. Alors il a tué le serpent et le bébé a cessé de pleurer. Dans le monde sans Dieu, c'est du wahala. Ce sont des problèmes. Vous comprenez l'histoire? Serpent, bébé qui pleure. Docteur, vous avez entendu l'autre témoignage hier. Un homme se trouvait quelque part lorsqu'un oiseau a volé droit vers lui, l'a dépassé et s'est dirigé vers la chambre des enfants dans la maison. L'oiseau s'est posé et s'est transformé en personne. Il a vu un corps de vieille avec la voix d'une jeune fille. Ils ont essayé de chasser ce démon, mais il a commencé à se déplacer, est sorti dans la rue et ensuite il a disparu. Il ne s'agissait pas d'une personne ordinaire, mais je suis certain que cette entité est allée quelque part pour mourir. C'est pourquoi vous avez besoin de puissance, surtout en Afrique, pour que l'ennemi ne détruise pas votre vie. Votre destinée et votre génération. Écoutez-moi ce soir. Je ne prêche pas simplement pour vous exciter ou vous divertir. J'annonce aujourd'hui, au nom de Jésus, le Seigneur ressuscité, que la puissance de Dieu est libérée sur vous et cette puissance détruira tout le plan de l'ennemi autour de votre vie. Si vous le croyez, criez un amen fort. Que quelqu'un crie puissance, criez gloire. La puissance est nécessaire pour maintenir l'ennemi sous contrôle, pour le garder en échec. La puissance est nécessaire. Et cette puissance vient sur vous aujourd'hui. Que quelqu'un dise un amen retentissant. Dites amen plus fort. Rien de tout cela ne doit vous effrayer. Cela doit seulement vous rendre plus audacieux, vous rendre désespéré d'avoir cette puissance et déterminé à ne pas vivre sans elle. Huitièmement, la puissance est nécessaire pour être préparé face aux diverses circonstances de la vie. La puissance est nécessaire pour être prêt à affronter toutes les situations de la vie. C'est ce que j'évoquais en citant Philippiens 4, verset 13. To be prepared for the diverse circumstances of life. Power is needed to be equal to every emergency. La puissance est indispensable pour être
égal à toutes les urgences de la vie. Je relis la deuxième partie de Philippiens 4 au verset 13 dans la version amplifiée. Je suis prêt pour toute situation et égal à tout défi par celui qui me fortifie intérieurement. Jacob est resté seul et a lutté jusqu'à ce qu'il l'emporte, jusqu'à ce qu'il puisse vaincre. Pour vaincre, la puissance est nécessaire. Que quelqu'un dise puissance, dites puissance. L'un de nos pasteurs, le pasteur Wisdom, m'a appelé. Pastor Wisdom. Il s'était rendu dans une région du Nigeria. Je préfère ne pas préciser laquelle pour ne pas alerter les gens. Il était parti pour un enterrement. Vers 19h, alors qu'il conduisait pour retourner vers l'état de Benue, il a marché sur une mine antipersonnelle, une bombe démoniaque, typique de certaines pratiques en Afrique. Son pied a été instantanément enflammé. Il m'a appelé sur le champ disant, « Pasteur, je viens de marcher sur un fétiche. » Dans la région d'où il m'appelait, c'était effectivement une possibilité courante. Si vous voyez ce que je veux dire, il avait prié et tout tenté, mais sa jambe était en feu. Il y a des situations où une douleur au pied devient une distraction pour la tête. Je lui ai dit au téléphone, « Flèche de l'ennemi, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. » Je lui ai ordonné de poser son pied par terre. Il a fait et a dit, « C'est en train de partir, c'est en train de partir. » Je lui ai demandé, « Comment ça va à présent ?» Il a répondu, « C'est parti, ça part, ça part. » Vous devez être préparé pour ce genre de situation. Beaucoup de gens ont perdu la vie ainsi. Moi-même, un jour, j'étais dans mon salon et j'ai ressenti une flèche spirituelle se déplacer vers moi. Je me suis tenu sur place et j'ai dit... Backfire to sender. Backfire to sender. Jikekeke babarasta. Retour à l'envoyeur. Ma femme est sortie en courant, mes enfants aussi, en criant, « Papa, que se passe-t-il » J'ai répondu, « Je suis en train de me battre. Je renvoie cette attaque. Je suis sûr que quelque part, quelqu'un est mort ce jour-là. » Because whatever they sent, whatever it was, I knew what it was. It backfired on the spot. Car tout ce qu'ils avaient envoyé a été retourné sur le champ. La faiblesse est un risque. Weakness is a risk. Powerlessness is risky existence. Vivre sans puissance est une existence dangereuse. Un jour, j'ai serré la main d'un homme qui portait plusieurs balles. Je ne savais pas à l'époque. C'était en 1986. Ma main a commencé à brûler instantanément. J'ai renvoyé l'attaque en disant « Retourne, retourne, retourne !» Beaucoup de personnes que vous croisez, laissez-moi vous dire, ne sont pas seules. Certaines sont accompagnées de légions de démons, entourées de forces occultes. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être négligent. C'est pourquoi vous devez être puissant dans l'esprit. Lorsque vous êtes rempli de puissance spirituelle, certaines personnes vous regardent avec méfiance parce qu'elles savent que ce qu'elle porte est moindre comparé à ce que vous avez. Elle vous évite
car elles sentent la force qui est en vous. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que lorsque les puissances maléfiques vous verront, qu'elles s'inclinent et se dissolvent. Qu'elles s'inclinent et se dissolvent. Si vous croyez cela, dites plus fort Amen. Give the Lord a praise as you take your seat. La puissance est nécessaire dans les moments critiques, dans toutes les urgences. Et enfin, quel est le secret de la puissance? Nous allons aborder cela tout au long du mois. Mais en premier lieu, c'est la présence de Dieu. Dans Actes 10, 38, il est écrit « Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et de puissance. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était opprimé par le diable, car Dieu était avec lui. » La présence de Dieu en la vie d'une personne est égale à la puissance. Dans Marc 16, verset 20, il est écrit « Ils s'en allèrent prêcher partout. » Le Seigneur travaillait avec lui et confirmait la parole avec des signes qui l'accompagnaient. Lorsque Dieu marche avec quelqu'un, cela crée un climat de puissance. Faites tout ce que vous pouvez, tout ce que vous devez faire, tout ce que vous savez faire pour porter la présence de Dieu. Si vous le faites, vous n'aurez pas besoin de prier spécifiquement pour la puissance. L'un de mes plus grands atouts dans la vie est la présence tangible et ressentie de Dieu. J'entretiens délibérément une atmosphère d'adoration et une ambiance de sa présence autour de moi en permanence, pas seulement lorsqu'il est temps de prêcher. Car si vous attendez le moment de la prédication pour créer cette atmosphère, il sera trop tard. Si vous attendez d'être confronté à un problème pour entrer dans sa présence, vous avez attendu trop longtemps. Deuxièmement, le Saint-Esprit est le secret de la puissance. Dans Actes 1, verset 8, il est écrit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Le Saint-Esprit dans la prière, dans l'Esprit et en suivant la direction du Saint-Esprit est la clé de la puissance. Si vous priez dans l'Esprit et priez abondamment, si vous suivez la direction du Saint-Esprit, vous ne manquerez jamais de puissance. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et de puissance? 1 Corinthiens 2 et verset 4. Dans 1 Corinthiens 2, verset 4, Paul déclare « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Là où il y a l'esprit, il y a la puissance. Je vous invite à entrer dans ce voyage vers la puissance, mais sachez que vous ne pouvez pas être faible. Vous faites partie d'une commission de puissance. Dunamis signifie puissance. Acte 1, verset 8, c'est notre passage clé en tant que ministère. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Ce mot puissance est dunamis. Je me suis rendu en Afrique du Sud il y a quelque temps et j'ai rencontré un homme grec qui m'a demandé ce qu'est dynamis. Je lui ai dit que c'était un mot grec. Puis il m'a expliqué ce que je savais déjà. Ce sont les mêmes mots que celui utilisé pour la dynamite qui peut faire exploser des rochers et déraciner des montagnes. Lorsque Jésus a dit « une vertu » ou « une puissance est sortie de moi », il s'agit du même mot « dynamis ». La puissance, la force miraculeuse est sorti de lui. Un prédicateur nigérian a plaisanté en disant que dynamis est un mot nigérian qui veut dire dunami, ce qui signifie donne-moi du feu. I went to preach in his church and he was introducing me.
Je suis allé prêcher dans son église et il m'a présenté en ces termes. À présent, cela a du sens lorsque Jésus dit que la vertu, la force est sortie de moi. Il s'agit de la dynamis, la puissance miraculeuse, la puissance explosive de la dynamite. Pouvez-vous faire exploser certaines montagnes en quelques minutes? Levez-vous. Des montagnes de maladies, des montagnes d'affliction, des montagnes de puissance occulte, des montagnes de sorcellerie, des montagnes de force démoniaque, des montagnes de limitation ancestrale, des montagnes de limitation générationnelle, des montagnes d'embûches placées sur votre vie, des montagnes de résistance, des montagnes d'oppression et d'affliction. Des montagnes de confrontation de l'ennemi. Dans les 10 minutes qui vont suivre, je vous invite à prier dans l'esprit et à parler en langue, comme jamais auparavant. Et si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, je vous invite à faire cette prière. J'aimerais que vous leviez à présent vos mains. Levez tous vos mains et dites après moi. Père, je viens devant toi aujourd'hui pour libérer le dynamis. Out of my life, to release power, to release fire through the agency. Le pouvoir, le feu à travers le ministère du Saint-Esprit pour faire exploser toute montagne, surmonter toute résistance, pour éliminer toute limitation, pour accomplir ma destinée, pour anéantir tout agenda satanique et être égal à toute urgence actuelle. Je reçois le feu, je reçois la puissance. Élevez votre voix et priez. Pray.
Pray. Open your mouth and pray. Release the fire. Release the power. Release the fire. Release the power. Release the fire. Release the power. Release the fire. Yara
In Jesus' precious name. Amen. Lift up your hands everywhere you are. Lift your hands everywhere you are. Lift your hands everywhere you are. Father, we give you the praise. We give you the honor. We give you the adoration. We give you the worship. Amen.